nothing can come as close as you when you hear the wind blows. But through this unstoppable storm of love remains, it drives me insane. I feel we got so far in the game. Now everything's on fire. How to make it come again? We're crashing like a plane, and they say no rain. Cette semaine sur Bonheur sur scène, c'est un peu retour vers le futur. Parce que oui, là, moi je te parle d'une époque très loin où le match n'a pas encore commencé. Toi, tu sais déjà tous les tenants, les aboutissants, s'il y a eu des buts, qui les a marqués, et puis à la fin, si la France a gagné. Et ben du coup, dans cette chronique, je vais essayer de marcher, et de te rattraper à la fin, j'aurai les mêmes informations que toi. On sera à égalité. Ce que je peux déjà te dire, c'est que même si le match n'a pas commencé, dehors, c'est la folie. Et ben, chronique numéro 75, c'est parti! Mais d'où viennent tous ces gens? Mais où vont tous ces gens? Voilà, c'est la mi-temps. 2-1 pour les Bleus. Rien n'est fait, mais c'est plutôt pas mal embarqué. Moi j'y crois et je voudrais profiter de la pause pour évoquer un sujet avec toi. Souvent, on a tendance à classer le sport en général et le football en particulier dans la case culture populaire. Et souvent, je sais pas pourquoi, cette case, on a tendance à la mépriser. Pourtant, moi ce que je crois, c'est qu'il n'y a pas de sous-culture. Tout le monde a le droit de s'exprimer, peu importe le biais. D'ailleurs, on le voit bien. Ce qui un jour est sous-culture, le lendemain se réveille et devient pop culture. Et alors, tout le monde commence à s'y intéresser. Mais alors, admettons, le sport, on aurait le droit de le mépriser. Mais alors, il faudrait me dire, qu'est-ce qu'on met à la place? Qu'est-ce qui, à la place du sport, nous permet de vibrer, de nous fédérer, de communier? Qu'est-ce qui, à la place du sport, nous donne des scénarios aussi improvisés et nous permet à ce point-là de nous rassembler? Alors c'est bien de se cultiver, je suis premier à le dire et à le penser. Mais le sport a ça de magnifique, qui nous permet de vivre l'instant seulement, sans jugement, tout seul devant sa télé ou alors avec des milliers de gens devant un écran géant. Enfin voilà, la pause est terminée, ça va recommencer. Youhou, allez les Bleus, on finit ce qu'on a commencé. Everything's on fire, how to make it come again. We're crashing like a plane. This is such a scary place to be. We know we are for life, you see. There's nothing left to do, although no one. Voilà, maintenant on peut chanter parce que oui, c'est fait, on a gagné. Enfin, je dis on a gagné, mais en vrai, moi j'ai pas fait grand chose sur le terrain, c'est pas moi qui courais. Et d'ailleurs, quand je vois dehors tout le monde chanter, danser, exulter, je me dis, une Coupe du Monde ça arrive toutes les 4 années, la dernière fois qu'on l'a gagné c'était il y a 20 ans. Mais alors, entre temps, toute cette énergie, où est-ce qu'elle est passée? Tu vas voir où je veux en venir. Einstein disait, on a tous du génie. Mais si on juge un poisson rouge à sa capacité à monter dans les arbres, il croira toute sa vie qu'il est stupide. Ça veut dire qu'on a tous un moyen de s'exprimer et un moyen de briller. Juste, parfois, on n'a pas encore cherché vraiment. Alors, on peut fabriquer de la bière ou des lunettes ou faire des vidéos sur Internet. Les footballeurs, eux, ça y est, ils ont trouvé, ils ont travaillé dur, et quand ils gagnent, on les reconnaît. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Maintenant, je te laisse m'écrire en commentaire dans quoi t'aimerais te lancer. Et puis après, t'as le temps, mais faut y aller. Et d'ici là, je te dis à la semaine prochaine.